vous allez trop loin. Vous n'avez aucune limite, aucune décence. On parle, de quoi parle-t-on ? Depuis tout à l'heure, monsieur le ministre, ne rigolez pas. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Vous nous parlez depuis des jours que nous serions dans le fantasme. Nous y voilà. Oui, vous êtes sur une pente glissante en matière de surveillance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De quoi nous parlons ? Nous parlons ici d'un amendement de repli qui vise à exclure explicitement certains objets connectés. Parce que les objets connectés, ça a été dit par un certain nombre de collègues, ont pris une part dans nos vies extrêmement grande. La montre, le pot de fleurs, le drone, le thermomètre, et j'en passe. Et justement, dedans, il y a les objets sexuels connectés. Et je pense qu'on va trop loin, que cette mesure n'est pas proportionnée. Surtout quand on voit la longueur de la mesure, qui peut aller jusqu'à 15 jours. 15 jours pour prendre le contrôle à distance d'objets connectés à caractère sexuel. Vous voulez vraiment que ce soit possible ? Vous voulez vraiment qu'il n'y ait aucune limite, aucune borne, aucune décence ? Oui, nous sommes profondément en désaccord. Je ne suis pas pour que l'on pénètre comme ça dans la vie privée des gens. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et s'il faut en arriver là pour attirer votre attention sur le caractère extravagant de la mesure que vous proposez là, alors je suis heureux de l'avoir fait pour attirer votre attention. Oui, c'est un scandale que nous puissions mettre sur écoute n'importe quel objet connecté, parce que cet amendement, il vise à la fois la géolocalisation, mais aussi les écoutes et la captation d'images vidéo. Car oui, ces objets connectés permettent malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais permettent aussi de filmer et de prendre le son. Voilà. Alors un peu de décence, redescendez un peu, ayez des limites. Ayez des limites. Merci, monsieur le député, monsieur le rapporteur. Je vais essayer d'être technique. Soyez précis au moins, monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Vu la teneur de vos amendements, je regarde du côté que je veux. OK ? Bon, premier point, monsieur Bernalicis. Il y a effectivement des objets de ce type qui sont connectés. Je ne sais pas s'ils sont géolocalisés. Premier point. Je doute de l'utilité de la géolocalisation d'ailleurs. Ensuite, à la fin de votre défense d'amendement, qui relevait plus d'une tentative de one man show, parce qu'on a vu que vous étiez très mauvais chanteur tout à l'heure, alors vous avez tenté d'être bon humoriste. C'est également raté. Alors, sur le fond et techniquement, vous parlez d'activation son et image. Mais non, pas du tout. Sur cette technique-là, ben non. Monsieur Bernalicis, vous qui généralement êtes sérieux, travaillez bien, là vous n'avez pas fait votre job. On parle de la géolocalisation et uniquement de la géolocalisation. Donc, on n'est pas du tout dans le cas dont vous parlez. Et donc, l'accès total et illimité à toutes les données personnelles n'est pas possible dans ce cas-là. Et donc, avis défavorable sur cet amendement de fantasme de M. Bernalicis. Merci, Monsieur le ministre. Mais où est-ce que tout ça va se loger ? Chers collègues, il est 23h, monsieur Minot, merci de votre contribution. Comment on peut avoir des idées comme celle-là ? Comment on peut les soutenir ? Mais franchement, d'abord c'est d'assez mauvais goût, mais ça peu importe, on a l'habitude. Vous avez tenté un effet comique et il tombe à plat. Mais regardez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. le rapporteur. Il vise les deux, en réalité. Il vise la géolocalisation et la captation. Alors, sur la géolocalisation, c'est le transport du dit objet ou des 10 objets. Ils sont peut-être pluriels, j'en sais rien, M. Bernalicis, qui permettrait, selon vous, de savoir où le propriétaire se rend. Bon, peu importe. Je ne sais même pas si techniquement c'est possible, d'ailleurs. Hein. Bon.
vous avez quand même de l'imagination. Vous avez raison d'ailleurs, parce que l'imagination est le dernier refuge de la liberté. Puis alors, il y a ensuite le son et l'image. Alors là, vous voyez, je suis encore plus circonspect. Je ne sais pas ce que l'on peut capter, je n'en ai strictement aucune idée. Franchement, le Parlement, vous voyez, mérite mieux que votre cirque habituel.